coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Gabriel, qui est donc un livre assez émouvant. Donc, en fait, ça raconte l'histoire de Thomas, qui est un garçon tout à fait normal, et qui vient de rompre avec Laure, et ça va prendre une place assez importante dans l'histoire. Et dans son lycée, il y a une fille, ou un garçon, on ne sait pas, qui s'appelle Gabi, et qui un jour, pendant une soirée, quelqu'un prend une photo d'elle, ou de lui du coup, nue, et la poste sur, Internet. Et du coup, en fait, l'enjeu de ce livre, ça va être vraiment de montrer le traumatisme de Gabi, et de comment est-ce qu'il est mis en scène, et puis comment s'en sortir, en fait. C'est un livre très émouvant, parce qu'il y a beaucoup de... Elle met beaucoup en scène et elle explique beaucoup le stress qu'elle a eu à cause de ça. Même si c'est montré de manière assez implicite, avec l'aide d'un objet qui sera assez important, qui va en fait être l'objet de son stress, enfin la métaphore de son stress. Les personnages sont bien développés, parce que même si on ne dit pas leur passé explicitement, on le comprend au fur et à mesure de l'histoire, et du coup, plus on avance dans le livre, plus on s'attache au personnage, quel soit. Du coup, bah, j'ai beaucoup aimé, et je le conseille vraiment à beaucoup de monde. Mais par contre, il y a des sujets un peu violents et durs, comme le viol, ou des choses comme ça. Donc il faut avoir quand même un esprit assez averti et assez ouvert avant de le lire.